Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la Maison de la Biodiversité, un moment que nous attendions depuis très longtemps. La Maison de la Biodiversité de la Forêt de Buzet s'inscrit dans le cadre d'une politique départementale cohérente autour de la protection donc de l'environnement et de la biodiversité. Nous sommes sur un site qui est déjà un espace naturel sensible et la Maison de la Biodiversité vient renforcer l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place pour assurer la promotion et de notre forêt, parce que c'est une magnifique forêt, c'est un lieu de visite, c'est un lieu de rencontre et puis ça va être un lieu de découverte puisqu'on va apprendre à découvrir la faune et la flore de notre territoire, de la forêt mais aussi du département de la Haute-Garonne. Et Alexandre est là-bas, le troisième. Donc là, vous êtes sur toute la phase d'exposition permanente qui nous a pris deux années de travail avec une scénographe CS Design qui nous a aidé à organiser toute la conception. Et nous sommes sur le thème de la biodiversité, bien évidemment, mais surtout sur les services rendus par la biodiversité. Nous avons voulu mettre en avant l'intérêt de la biodiversité pour l'homme, pour recentrer l'homme au sein de cet ensemble d'espèces vivantes sur la Terre et de montrer que nous en avons besoin à tout moment de notre vie. Au sein de cette Maison de la Biodiversité, il y a aussi une exposition du syndicat Haute-Garonne Environnement, un outil pédagogique. Ce syndicat crée des outils pédagogiques pour les collégiens et pour tout le milieu scolaire. Ces outils sont aussi disponibles pour les communes et pour les associations, pour faire des expositions sur toutes les palettes du développement durable. Et celui-ci a été réalisé en interne et avec aussi la participation d'ébénistes qui ont été en capacité de nous réaliser une Haute-Garonne en trois dimensions qui permet de percevoir la biodiversité à la fois en surface mais aussi sous la terre. C'est un petit peu la nouveauté. À part les meubles scénographiques, les autres meubles, c'est lui qui nous a tout fait. Voilà, et on peut se balader, on pourra les voir, mais c'est de l'infrarouge. Ça permet d'entendre en fait tous les cris sociaux des chauves-souris lorsqu'elles sont en colonie. Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux, mes collègues et mes amis du conseil départemental, de vous accueillir dans cette nouvelle maison de la biodiversité. Qui permet une éducation, une information et une volonté d'avancer.